Salut tout le monde, c'est Nan05. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto sur les maquettes de train. Donc, plus précisément, c'est le montage d'un bâtiment que vous recevrez si vous faites la collection Construisez votre réseau ferroviaire en miniature. Voilà celle-ci. Sinon, dans le commerce, vous ne pourrez pas le trouver. Donc, pour commencer, il vous faut. Toutes les pièces que vous avez reçues, donc toutes les pièces réunies. Normalement, vous avez reçu une partie avec le numéro 83 et une autre partie avec un numéro antérieur. Donc, je ne sais pas lequel, mais un numéro avant le 83. Donc, pour ce bâtiment, il vous faut que de la colle, puisque en fait il n'y a rien à découper ni à poncer, à part si vous faites des choses de plus, quoi. Et bien sûr, il vous faut vous, puisque sinon ça ne peut pas marcher. Donc, pour résumer ce que vous avez besoin des deux murs principaux, les deux murs latéraux, la porte, les autocollants, le cache qui va tout en haut des tuiles, je me souviens plus comment ça s'appelle, le tuyau de gouttière, la base, ou le socle, voilà, et le toit. Donc, pour commencer, vous prenez un mur. Donc je vais mettre les pièces de côté, comme ça on a bien tout ce qu'il nous faut. Voilà. Voilà, donc pour commencer, vous prenez un mur que vous retournez. Donc là, comme sur chaque bâtiment de la collection, vous avez les petites encoches. Et sur les murs latéraux, vous avez les petits trucs qui sortent et qui vont se mettre à l'intérieur. Donc, comme ceci et qui rentre comme ça à l'intérieur. Voilà. Donc, vous prenez votre colle. Donc là, moi, il n'y a plus l'aiguille parce qu'elle est bouchée, j'arrive plus à la déboucher. Donc, sinon, avec l'aiguille, c'est plus pratique quand même. Mais bon. Voilà. Vous mettez de la colle sur chacun des petits trous. Voilà. Et vous allez venir placer les murs. Donc, en fait, peu importe le sens dans lequel vous les mettez, puisque en fait ces deux murs-ci sont identiques et celui-ci possède la porte. Mais après, vous pouvez le tourner de la manière que vous voulez, même si vous mettez de la porte d'un côté ou de l'autre, vous aurez toujours les mêmes murs de chaque côté. Donc peu importe le sens dans lequel vous le mettez. Donc là, je vais mettre la porte là. Et bon, si comme je vous ai dit, si vous mettez dans l'autre sens, ce n'est pas gênant du tout. Et là, le mur qui est plein. Hop, donc je le rentre dedans, ça rentre très facilement, il n'y a pas besoin de forcer, si ça force, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Ensuite, vous mettez la colle dans votre deuxième mur principal. Et vous venez le placer dessus. Ou alors vous mettez comme ça et vous prenez vos murs comme ça. Et vous venez les placer comme avant dans les trous. Voilà, vous appuyez bien pour qu'il se clipse correctement. Enfin, qu'il s'enfonce jusqu'au bout, quoi. Voilà. Ensuite, bon, il y a une chose qu'on aurait pu faire avant, c'est de mettre la porte à l'intérieur.
Mais bon, peu importe, puisque en fait vous avez la place de le faire. Donc vous prenez votre porte. Et là vous prenez votre bâtiment, votre col, et vous venez en mettre sur les petites trucs qui dépassent là au niveau de pour mettre la porte. Donc j'en mets sur chacun. Excusez-moi si on voit pas très bien. Si on voit pas du tout même. Voilà. Et vous prenez votre porte qui possède des petits trous. Et vous venez les encastrer à l'intérieur. Donc là, je vais essayer de vous montrer en même temps. Alors moi ça rentre pas bien. Donc là souvent pour ce genre de choses il faut un petit peu forcer pour les portes là. Pour tout ce qui est portes et fenêtres. Enfin en tout cas pour moi c'est souvent que ça rentre pas très bien. Alors je vais essayer de tourner la porte, normalement ça y fait rien mais bon. Voilà, c'est bon. J'ai réussi à l'enfoncer, ça a été un peu galère, mais bon. Voilà, donc moi en principe je le mets avant de mettre les murs, mais bon là j'ai oublié, donc du coup c'est pas grave. Vous pouvez quand même le faire après, c'est pas gênant. C'est pas un drame. Donc ensuite, ce que je vous conseille c'est de mettre le toit en premier. Donc pour le toit... Ça s'emboîte comme ça. Voilà, comme ceci. Donc moi, je vais le coller. Donc là, je mets de la colle tout autour. Voilà. Voilà, et maintenant vous venez l'emboîter comme ça à l'intérieur du bâtiment. Hop, et voilà, et c'est rentré tout seul. Donc ensuite il y a le socle. Le socle, moi je le colle pas pour la raison que je vais. Enfin, ça peut-être pas, mais. Je ne colle pas les socles, ou alors je l'ai peut-être collé à certains endroits, mais enfin, dans tous les cas, j'aurais pas dû, quoi. Puisqu'en fait, je vais sûrement les démonter pour placer des ampoules à l'intérieur, pour éclairer les bâtiments. Donc là, je le colle pas, en fait, je l'emboîte dedans, juste. Parce que de toute façon, ça tient très bien, même si on le colle pas. Alors, là, vous voyez, je suis en train de faire une connerie, c'est que là, il y a un trou pour la porte. Et que je suis en train de mettre le truc là. Donc c'est pour ça que ça rentre pas en fait. Donc faites attention, parce qu'une fois qu'il y a la colle, si vous forcez et tout, que ça rentre pas, ça sèche, et bien après c'est trop tard. Donc là, voilà. Je le rentre bien à l'intérieur. Voilà. Hop, là il est rentré. Et alors, maintenant, il nous reste le tuyau de gouttière. Et le cache qui va en dessus. Donc, ah voilà, il me semblait bien que c'était pas dézoomé en plein. Donc je vais, voilà, hop, comme ça. Parce que sinon c'est chiant, moi faut que je me décale à chaque fois. Donc, là, vous pouvez coller l'un ou l'autre, ça, peu importe, ça n'a pas d'ordre. Donc là, moi, normalement, quand j'ai l'aiguille, en fait, je mets la colle dans les petits trous. Et après, je rentre ça. Sauf que là, j'ai plus l'aiguille. Donc ce que je vais faire, c'est que vu que là il y a, ça fait un petit trou, eh bien, je vais rentrer les trucs à l'intérieur comme ça. Hop, et verser un petit peu de colle. Voilà. Voilà. Et là maintenant, il me reste plus qu'à les glisser à l'intérieur des trous.
Voilà. Donc là, il est rentré. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à coller le dessus. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit trait de colle tout le long, là. Voilà. Et là, en principe, ça, c'est assez facile à mettre. Voilà. Donc là, il est rentré. Et voilà. Donc là, le bâtiment est terminé. Donc, moi, je vais vous dire au revoir. Et on se retrouvera dans un prochain tuto. Donc, juste... Voilà, je remets le bouchon sur la colle. Et ah oui, il y a une autre chose que j'ai oublié. C'est que il y a les petits autocollants aussi que vous pouvez coller sur les côtés. Mais bon, c'est pas obligé. Moi, je vais les mettre, mais je le ferai après. Puisque, bon, des autocollants, c'est pas trop... Enfin, l'ensemble du bâtiment n'est pas très difficile à monter. Mais bon, voilà, je fais un petit tuto comme ça. Ça fait un peu des vidéos. Et donc, les autocollants, je vous laisse les mettre seuls. Puisque, de toute façon, vous pouvez les placer où vous voulez. Voilà. Donc, moi, je vais vous dire à la prochaine fois pour un autre tuto. Et puis, ben voilà, abonnez-vous à ma chaîne si vous avez aimé. Je fais aussi d'autres vidéos sur la GoPro. Je fais un peu des déballages. Enfin, pour l'instant, il n'y en a qu'un. C'est que celui de la GoPro, mais normalement, je dois en mettre d'autres. Et puis, voilà, donc regardez mes autres vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, aimez la vidéo aussi si ça vous a plu. Voilà. Allez, ciao, ciao!